Et quand je la vois en train de danser, participer et conduire le peuple de Dieu, alors je me dis que vraiment voilà une servante du Seigneur. J'apprécie le peuple de Dieu tout entier ici. I appreciate the whole church. Et je vous encourage à aller beaucoup plus loin dans le Seigneur. And I encourage you to go further in the Lord. Dans la Bible, nous avons 33 000 promesses qui nous sont réservées. In the Bible, there are 33,000 promises that are waiting for us. Plongez le regard dans la loi parfaite de Dieu. And plunge into the perfect law of God. Et n'oubliez pas que nous ne sommes que passagers sur cette terre. And do not forget that we are just travelers of earth. Alors je vais partager le dernier verset avec vous dans Romains 12, verset 1er. I will share with Romans 12, verse 1. C'est une exhortation de l'apôtre Paul. It's an exhortation of Apostle Paul. Il nous dit, je vous exhorte. And I exhort you. Par la compassion de Dieu. By the compassion of God. À offrir vos corps. To offer your body. Comme un sacrifice vivant. As a living sacrifice. Saint. Holy. Agréable à Dieu. And pleasing unto the Lord. Ce qui sera de votre part. So that in your heart. Un culte. A worship raisonnable. A reasonable worship to the Lord. Dieu vous aime. God loves you. Moi je vous apprécie. And I appreciate you. Et que Dieu vous bénisse. And may God bless you. Amen. Thank you, Pastor Andy, for the word that you have given unto us. You know, my dear pastor, it's very rare we see each other, but we are, as what he said, we are close in our hearts. Amen. Last Friday, we have studied, pinag-aralan ho natin, ang patungkol is about the importance